ça en 89 qui portait un nouveau vidéo pour côté que on va apprendre en pile bagaille. Je dis moi va montrer nous comment pour nous sortir de A jusqu'à Z pour nous capable arriver faire un montage vidéo sous Adobe Premiere Pro. Ou capable de prendre Adobe Premiere Pro 2017, 19, 2020, 2021 jusqu'à 2022, donc pas de problème parce que c'est même interface là, c'est même bio. Donc sauf ça qui a ajouté c'est quelques effets, c'est quelques effets spéciaux qui a ajouté là-dedans, vous comprenez? Donc je dis on hein, va montrer nous comment que nous capable faire un montage vidéo très simple sous Adobe Premiere Pro. OK, Adobe va nous lancer. Donc moi même c'est Adobe 2021 gain, OK? La lancer là la pour vous. OK, et le fait ouvrir Adobe hein, moi te dit nous ça déjà. Donc là ban nous panel ça. Donc premier ça n'a fait et nous bon vidéo qui t'ai parlé de ça avant. Premier ça n'a fait n'a ba vidéo noir yon titre côté qui écrit name là n'a ba li yon titre n'a ba li yon titre. Moi par exemple on relé li montage du A à Z. OK, mon ba li non comme ça. Donc ça nous pas besoin de changer rien là-dedans. Donc moi te dis nous les nous arriver dans partie qui est pris capturer là, si capture si pas non c'est HD, c'était en DV, n'a juste changer là HDV, OK? C'est ça seulement n'a fait. Donc pas m'attendre que tu changer en HDV, il tout est en HDV. Nous pas besoin de changer rien dans ça, color management, pas besoin de changer rien dans ça. Et puis non, l'en fin by non. Nous aller dans browser, nous cliquer dans browser pour nous capable sélectionner côté n'a mettre vidéo noir, côté n'a pas enregistrer vidéo noir, c'est browser. Et puis là pour vous panel ça ban nous, et puis nous ca créer un nouveau folder si nous voulez. Nous va calper table dire new folder, nous ca créer un new folder pour lui. OK, et puis nous sélectionner, moi même toujours travailler dans backup, nous toujours gain backup, moi même travailler, on sélectionner backup pour ou bien soit mettre dans desktop, soit mettre dans vidéo, dans n'importe folder mettre là, OK, ou juste sélectionner. Si vidéo tu vas travailler là, tu tout dans folder qui en dedans, on est cliquer et puis on aller par exemple si c'est vidéo spark, ou cliquer dans vidéo spark ou gain vidéo côté si on va travailler là, juste sélectionner et puis on fait choose. Vous faites choose, vous choisissez. Par exemple, moi, je me lague là-dedans et backup moi qui est le folder les vidéos pack. OK? Je juste fait choose. Mais choose là, je fais choose. Vous sélectionnez. OK? On a là, moins fini avec partie ça. Donc, c'est une partie qui est très important. Pas oublier de mettre nom, parce que si nous pas mettre nom, nous pas besoin de vidéo nom. Et puis, vous choisissez côté de mettre là. Si nous pas choisir localisation, OK, nous pas capable joindre vidéo noir les nous fin éditer, OK, là pas non plus le problème. Donc et puis nous fait OK, fait OK, et puis panel là va l'ouvrir normalement, programme va l'ouvrir pour nous capable commencer travail normalement. Programme là ouvrir ça que nous était pour nous faire kounya, n'a regarder n'a pour tous les quatre parties, ça c'est une partie. Ça c'est deuxième partie, après casier bleu à sélectionner, deuxième partie et puis troisième partie en bas là, et c'est quatrième partie. Ça veut dire programme formé de quatre parties. Première partie ça c'est moniteur pour ça, vous mettez image qui brille là sous ça. OK, il va paraître là et puis l'autre prend image qui était là, vous mettez là sous timeline là. Et même c'est lui qui monitor programme là. Là du programme c'est là toute vidéo yo qui va travailler en bas là, il va sortir là. OK? Donc en nous aller. Gain moi te montrer nous deux façons que nous même nous capable prendre vidéo nous n'a pas travail là pour nous mettre sous programme là. Pour ton troisième façon pour nous que nous capable porter vidéo à mettre sous programme là.
premier bagage n'a fait n'a pral ouvri panel ça qui c'est timeline. OK, timeline, nous va l'ouvrir timeline, nous aller dans fal, j'aime te montrer noir, nous aller dans fal et puis nous fait new. Et nous fin fait new, nous aller, nous glisser, nous aller dans new sequence. Nous font nouveau séquence, nouveau séquence, new séquence. OK, nouveau séquence, nous aller. Moi te dis non que nous capable moi-même c'était on t'a font l'autre projet. Là nous arrivé dans ça, nous pas choisir DVPAL, nous ca joindre tout ouvrir dans DVPAL. Nous va prendre DVPAL, nous prendre DVNTSC. OK, DVNTSC et puis nous cliquer sur petit point ça, petit point ça, nous cliquer sur lui pour capable ouvrir. Et puis libano ça, nous va aller dans standard 48. Standard 48, nous cliquer sur standard 48. OK, nous sélectionner standard 48 et puis nous bay projet à yon non timeline non non après les li Saoul vidéo montage A Z. OK, nous même nous ca bay n'importe non ça c'est non n'a bay vidéo a pour les nous exporter pour nous joindre sur non ça ça ca arriver n'a exporter tout nous changer non. OK, mais nous cabal non ça et puis nous tout quitter là exporter, nous tout exporter ensemble avec non. OK, et puis nous fait OK. OK, nous fait OK. Puis gars nous choisi DV pas là parce que il pas calide non Amérique latine. N'a pas partie ça, il pas là, on est là nous gagnons nouveau panel qui vient ouvrir pour nous capable de travailler. Ça que nous va faire kounya, nous va aller prendre vidéo que n'a travaillé là pour nous mettre li là dans partie ça directement. C'est pas dans effet, c'est pas dans l'autre ça, c'est dans côté de bail non projet non non c'est li pour nous cliquer n'a pas le petit link ça en bas. OK, c'est sur li pour nous cliquer, c'est là dedans pour nous travailler. OK, première façon nous capable prendre vidéo à mettre sur li, nous ca faire deux clics en dans espace qui vide là, nous fait deux clics gauche en dans espace qui vide là. OK, automatiquement fait deux clics gauche là, il vient ban nous panel ça. Kounya nous même nous va choisir côté vidéo noir et a vidéo pas dans scène spark words lié, moi cliquer sur spark words spark production. C'est ça, c'est backup moi travail, c'est backup moi travail, moi toujours travaille sous backup et moi save projet sous machine, save sous backup en façon que pour moi bon pas perdre aucun projet que on travaille. OK, OK, vidéo monsieur dans vidéo spark, cliquez sur vidéo spark et puis m'aller dans folder, m'a chercher vidéo là côté moi-même li té céréal. OK, là fin jeune vidéo là, ou cliquez sur lui et puis ou fait import. Ou fait ça, import. Ou fait import ou importer projet à libéral monter directement sur ça. Là dit import file, import file et puis il va monter là. OK, il a fait ça et puis il monter. Si vidéo nous en long, n'a pas garder en bas là. Dans partie ça là, il gagne un travail à faire là pour importer projet et vidéo à monter sous programme. Il va le travail là pas avancer jusqu'à ce qu'il fin full partie ça. Pas courir à le travail sans que partie ça va pas gagner fin full. OK, nous la monter bleu. Donc ça va dépendre de combien j'ai vidéo nous apaiser et puis la prend temps pour les vidéos après pour les capable monter ce programme normalement. Faut que nous tente ça lui même les fini. Faut tente ça quand bas là fini pour le fin rempli et puis pour nous continuer travail vidéo noir. OK, les vidéos nous fini monter. Les vidéos nous fini monter n'après en bas là ça qui était pareil là, il pas pareil encore. Ça veut dire qu'il est dans les vidéos normalement les monter les l'autre lit. Vidéo 1 sous programme nous là qu'on y a. OK, avec petit flèche là nous capable visualiser image là déjà. Nous commence une mettre l'empreinte, ouais, tout le temps on va avancer et puis là bon ou ka gitan visualiser image là qui en bas nan côté pour travail vidéo. OK, côté pour mettre vidéo pour importer vidéo mettre sous ou ka et ou ka visualiser là avec petit flèche là, vous comprenez, si vous voulez. Mais faut qu'on fait le monter en grand dans partie ça.
ou ka draguer vidéo ou ka fè un clic gauche sur li, OK, ou prend ou draguer ou laguer en l'air. Ça son première façon ou ka fè vidéo à moi, OK, nous capable vidéo, OK, nous capable faire monter en l'air là. Deuxième façon, nous capable prendre li encore, OK, nous capable faire deux clics sous vidéo, deux clics gauche, un deux sous vidéo et puis la monter en l'air. Nous capable avec clic gauche nous kembeli et puis nous drague nous mettre en l'air ou bien nous fait deux clics gauche sous lui. Un deux direct et bien vite. Nous fait deux clics gauche sous vidéo noir pour nous mettre lui sous programme. OK. L'autre bagaille que l'autre façon que nous même nous capable prendre vidéo à nous mettre sous programme, nous capable aller dans file, OK? Deuxième façon, nous capable aller dans file, OK? Nous aller dans file et puis nous aller dans import. Ouais, import. Nous cliquer sur import. OK? Il va envoyer nous côté que vidéo nous y est toujours, nous va sélectionner qui vidéo n'a prend. Côté l'IA et puis nous juste faire import, OK, moi j'ai vidéo déjà m'ta montré nous. Troisième façon encore que nous capable prendre vidéo à mettre sous programme là, n'aller dans folder, nous minimiser page là, OK, nous minimiser page ça, nous minimiser page là, OK, nous minimiser les nous minimiser page là qu'on est là, nous pour aller côté vidéo noir là, par exemple spark words, c'est la vidéo noyée. Et moi fait deux clics sur lui vidéo spark, moi aller dans vidéo listos et puis moi aller moi sélectionner ça c'est vidéo m'en besoin, OK, moi ni font clic gauche sur lui m'kembel, OK, ouais m'kembel et puis moi draguer moi aller sur programme ensemble avec lui. C'est même façon on fait pour sur un PC, sur un PC, OK, ou quitter le sur lui et puis lui ouvrir ouvrir et puis aller directement ou la gueule la même partie ça là côté que vous besoin vidéo pour mettre toute vidéo ou juste la gueule là-dedans. Donc comme nous gain moi-même gain vidéo déjà, OK, on pas besoin une deuxième fois, OK, toute vidéo que n'a besoin nous ca faire trois façons ça, nous ca faire une trois façons ça pour nous prendre nous mettre sous programme. Ce soit nous faire deux clics en dans espace ça qui vide là, reste espace qui vide là, pas faire dans casier vidéo parce que faire dans vidéo là ces vidéos qu'on va monter là, OK, son espace qui est vide qui va gagner là, nous fait deux clics là. Deuxième façon aller dans file ou prendre ou aller dans import ou mettre le. Et puis troisième façon ouvrir et fichier qui est vidéo sur ordinateur et puis ou prendre ou draguer lui ou laguer en dans espace ça. C'est façon que vous même capable importer vidéo laguer en dans application. Deuxième bagage n'ap montre aujourd'hui, nous pral montrer qui jan pou capable découper une image, découper une image. Par exemple, si besoin image là c'est commencer là, on pas besoin pour li commencer avec avec intro ça 89 là. OK, c'est là on besoin directement pour commencer. Nous pral montrer comment pour couper image là et puis pour travailler. Nous allons montrer qui façon ou même capable couper une image. Par exemple, pas besoin d'intro, OK, c'est là où besoin image là, OK, ou juste couper pour mettre en bas pour capable exporter. OK, on aller. Première façon pour capable couper image là, OK, nous quitter image là jouer. OK. Salut. OK, ou besoin là, salut à chaque monde, OK? À chaque monde. OK, ou avancer vidéo à derrière pour jouer. OK. Ou tout mettre doigt tout directement sous espace. Espace on connaît c'est le play, c'est le même qui pose. OK? Ou quitter doigt tout sous espace là qui sous ordinateur par exemple ça. Ça c'est le cap play, c'est le cap camper, c'est le cap bye ouais. Bye salut à chaque monde. Et puis camper listo, OK, en aller nous va aller n'a quitter un toit et puis n'a chercher directement côté que nous besoin couper là en aller. Salut à chaque monde. OK, me besoin salut, me besoin chaque monde.
Ok, exemple, je besoin de chaque monde. Salut, à chaque monde. Moun. Pendant le bras, dit mon nom tout campé. Et puis, ça qui arrive, directement, le bâton est là-dedans. Ou après, sous l'ordinateur, il y a une petite flèche à droite, à gauche, monter, descendre. Pour faire à gauche, là, à droite. Ok? Pour capable faire aller grain par grain, frame par frame. Ok, ça. Chaque. Moun ok besoin la moun nan la directement on prend des formes pour chaque tout fait moun et pourtant des sons qui fait moun et pour camper là dedans directement mais qui façon ou capable prendre vidéo ça pour mettre pour capable couper pour mettre là partie timeline première façon n'a regarder ça mark in mark out. Mark in nan c'est pour commencer côté vidéo a commencer alors couper là OK côté ouvre là là commencer couper là directement mark out là maintenant c'est côté au besoin pour vidéo là finir ou pas besoin reste ça c'est l'on besoin couper ou faire mark out OK comme c'est là on découper dans moon nous faire ça mark in OK mark in vous faire ça ou cliquer sur lui ou après tout reste bade ça là nous il y a une autre couleur ça veut dire toute partie derrière net sélectionné c'est celle devant là ouais tu devant ça là qui pas sélectionné ça veut dire c'est celle devant là que ou pas besoin OK par exemple ou besoin river li nan ou quitter le jouer pour prendre côté besoin là OK n'a camper dans côté ou sorti OK OK, na sorti ou tout campel, sous besoin plus sûr, ou aller dans même petit flèche de zone qui dans clavier ordinateur là ou fait. Côté nous sorti, OK, sort. Sort, OK. Nous fait mark out nous cliquer sur mark out et puis après tout reste derrière ça qui était gris après tout reste derrière ça là tout reste espace derrière ça là ou pas besoin encore pas besoin ni encore pour mettre sous ça l'autre fin draguer vidéo là mettre là OK ou bien partie ça seulement partie qui sorti non OK salut à chaque monde qui a regardé vidéo ça dans moment ça là moi salut OK pour arriver là OK dit tout la dedans côté pour sortir après max ça ouais côté le camper sorti ti après max max ça là max out OK là on commence là après max in directement dans côté pour camper là ouais moon nous galoué là n'a pour elle rivé dans monde n'a pour image mark in n'a barrette OK nous galoué barrette ouais moon mais mark image mark in n'a di paraît là OK mark in mark out alors là barrette ça capable télécharger pour gagner OK pendant il fait sortir mark out la barrette OK mais mark out là OK donc c'est comme ça on est capable couper image là avec à l'aide de ça et puis ça donc gagne un raccourci gagne une façon que on est capable raccourci pour couper image là on aller pour raccourci là par exemple m'a besoin image là m'a prendre non on compte sur support nous besoin nous compter sur support ou même nous pas le faire nous pas cliquer là directement encore nous va aller dans clavier ordinateur noir OK nous va aller dans clavier ordinateur noir n'a peser i ni pas contrôle i ni commande i en rien nous juste peser i n'a pour nous peser i seulement et puis l'a tout sélectionné ouais i nous peser i et puis li sélectionner côté pour nous commencer prendre image là nous besoin le fini là OK sorti dans sorti encore mon camper là et puis m'aller dans clavier ordinateur moins PZ O OK
mag in pour commencer pour couper devant m'a pesé i pour moi finir pour couper le bon pas prendre parti derrière côté mettre le campé à et là pour rete m'a pesé o dans clavier c'est pas commande ni et contrôle i ni contrôle o c'est i pour mag in nan, pour ça o pour mag out là OK c'est comme ça nous capable couper une image pour nous capable mettre la timeline pour la qui j'en va mettre et pour paraître pour nous capable exporter pour nous faire une vidéo normalement il y a deux façons ou capable prendre soit ou prendre toute vidéo avec son soit que ou prend son ou bien ou prend image là on va montrer nous ça que me dire nous capable comprendre le ça c'est vidéo sans son OK ça c'est vidéo sans son ça c'est son sans vidéo ça c'est vidéo sans son image la cap sans son comme si son bébé son monde cap fait geste cap fait signe ou pas tant dans ken voilà dans c'est vidéo ça maintenant c'est son on nous prend vidéo pour montrer bagaille nous y prend la petite patte mais en fait sous lui OK nous fait clic gauche sous lui nous kembel et puis nous draguel nous la gueule en bas sous timeline là nous fait claguer sous timeline là dit nous keep existing setting ou bien change seconds et setting moi même moi toujours fait change sequence setting on fait change sequence setting OK me fait changer pour me changer setting image là OK donc mais image là qui monter en l'air là dans panel contrôle que ça c'est image que on va exporter à c'est lui même qui comme résultat final OK n'a regarder là n'a pour le venir sans intro ouais il venir sans intro mais ouais commencer directement dans côté que nous coupé là OK deuxième bagage à faire si n'a besoin son nous prend ça nous draguer li son nous draguer son nous à lavel OK nous mettez li en bas image là moi t'ai oublié définir nos parties ça yo regardez ça écrit V1 V2 V3 ca monter jusqu'à V30 jusqu'à V50 même A1 A2 A3 A4 OK ça V1 c'est vidéo sorti depuis là vidéo 1 la monter tout temps quoi mettre vidéo ouais tant quoi prendre vidéo mettre le pivot ouais il y a qui t'aller dans vidéo 3 ou aller monter le il va créer vidéo 4 OK ouais automatiquement tu crée vidéo 4 ou 4 monter ouais capable monter ou monter la bonne vidéo 5 vidéo 6 vidéo 7 vidéo 8 jusqu'à nombre de vidéos ou voulez que diriger nombre de vidéos gain pour éditer OK ou capable mettre audio à de même ou prend audio sorti là ou aller dans 2 ou aller dans 3 ou aller dans 4 ou aller dans 5 tout ça c'est audio si ou prend audio ça pour mettre dans partie vidéo là ouais il pas prendre ou garder petit plat mais un grand petit monde là-dedans ouais ou garder plat mais un grand petit monde là-dedans qui pas d'accord que son même rester dans partie audio OK ou quitter son côté lié à son c'est dans partie A 1 à 2 à 3 jusqu'à A 20 30 50 même pour mettre vidéo même c'est dans V1 V2 jusqu'à V50 ou quitter ça c'est image ça c'est façon que on même capable placer capable placer image là sous timeline OK kounya là ça que nous va montrer où nous va montrer où comment on capable ajouter effet sous vidéo que ou même ou gain deux vidéos ou gain trois vidéos pour l'ensemble qui j'en capable mettre effet transition pour une sortie dans ça pour monter dans l'autre là pour pas monter brutal OK comme nous te gagné une vidéo seulement qu'on a là j'ai façon de montrer nous pour nous importer vidéo là nous va aller na côté nous gain vidéo nous va aller importer quelques 2 3 4 vidéos pour nous capable montrer comment capable faire transition sortie de vidéo ça aller dans vidéo ça OK moi m'aller me faire deux clics dans espace vide ça là pour capable aller l'autre vidéo OK
pour capable prendre l'autre vidéo pour monter sur programme pour capable montrer nous les nous sortir dans telle image pour aller dans telle image qui j'en capable utiliser effet qui gagne dans programme. OK, par exemple moi parler en pile image en pile vidéo, moi juste prendre une photo pour moi capable montrer nous qui j'en nous capable mettre un effet de transition dans une image. On te montre comment pour importer les vidéos déjà. Donc c'est ça me fait mettre là-dedans, OK. Moi m'a prendre li, m'a draguer, m'a descendre devant ça là, OK. Les vidéos a fin parler comme ça. Image là n'est monté. Ça c'est une photo que mettez. Donc image a monté bruit. Sélectionne dans ça vous et puis monter dans ça. Bah, nous pas t'en mettre monter comme ça. Nous t'en mettre ajouter un effet, OK, sous lit. OK, nous agrandi image là pour nous capable voir directement fond là côté liaison hein, fait là ensemble avec. Donc si liaison pas fait une de là donc on est calé dans mi-temps, on fait clic droit, OK, on fait clic droit et vous fait ripple delete, OK, on fait ripple delete, vous cliquez sur lui et puis il y a collé ensemble, vous comprenez comme ça tout parce que au capable ni que font clic gauche dans mi-temps ça là et puis on est calé au pèse delete dans clavier ordinateur là et puis yo deux a yo collé ensemble, OK. C'est façon ça on capable couler image ensemble. Donc pour pas monter brut, nous va aller dans panel ça, OK? À gauche écran noir, pour nous en face li, à gauche écran. Donc nous aller dans effet. Dans effet, là même tellement chargé bagaille. Donc je vais vous montrer nous c'est base yo, c'est pour débutants. Donc c'est pas pour monde qui t'en connait couler image déjà mettre effet. C'est pour débutants. Donc nous pas parler rien de ça, n'a juste aller n'a parler de vidéo transition. Nous allons nous cliquer sur vidéo transition, OK, sous petit prendre flèche ça, nous cliquer sur vidéo transition et puis en dans vidéo transition nous gagne un paquet transition que nous capable utiliser. Nous gagne trois dimensions qui gagne cube spin, qui gagne flip over, qui gagne nous gagne dissolve que nous même nous plus utiliser interview on bail quelque qui très simple. Donc nous va utiliser gros effet là d'ailleurs, OK, nous toujours utiliser dissolve yo. Nous cliquer sur point flèche là, aller dans dissolve, nous juste aller nous prendre pour nous mettre effet entre deux images pour pas monter comme ça, pour pas monter sur là. Bao là, on va faire ça. Nous juste aller nous prendre cross dissolve. Nous prend nous draguer li. OK, nous aller nous laguer dans mi-temps ça comme ça. OK? Nous est ce qui fait le faire. Ouais, li saute dans ça comme ça. Li prend ça, ouais, la monter tout petit, vous comprenez? Et puis li laguer comme ça. On quitte le jeu. Mais j'en fait, il fait bien slow. OK, pour nous effacer effet, on ne doit pas aimer effet ça. Nous juste aller nous cliquer sur effet A. OK, nous cliquer sur effet A, clic gauche. Nous cliquer sur lui, nous elle baillon l'autre couleur et puis nous n'est aller dans clavier nous hein, nous peser delete. OK, nous peser delete. Gain l'autre façon encore que nous capable effacer, nous fait clic droit sur lui et puis nous fait clear. OK. Deuxième façon nous capable effacer effet que nous même nous te filmé et nous pas besoin. Donc ça qui arrive nous besoin effet à nous fini facile pour nous capable retourner nous faire contrôle Z ou bien si c'est Mac ou bien ou faire commande Z. OK, contrôle Z pour PC, commande Z pour Mac. Ou retourner effet à normalement côté détaillé. Pour nous capable mettre un effet tout sous son en tout, c'est toujours même genre. Donc vous fermez panel vidéo transition hein? Ou aller dans audio transition. Ou aller dans audio transition, vous cliquez sur audio transition et pour aller faire ou aller dans crossfade. OK, il même il va grand pile ou aller dans crossfade
moi plus utiliser soit constant gain ou bien constant power pour tête audio, OK? Par exemple, moi prendre moi cliquer sur libre, tout kembel clic gauche, me draguer, me laguer sur ça, ouais, tout faire effet, mais sous mettre sur audio après il pas monter, ouais. Ouais, j'en fait sous vidéo, il pas monter. Sous mettre sur audio, il monter normalement ou laguer. Après des sons sortir en bas monter. OK? C'est comme ça nous capable mettre effet sur lui. Et puis moi toujours ajouter exponential fade dans fin vidéo. Les gens j'en fais, il fait il mourir là. OK. Vous entendez effet là? Vous entendez lui pourquoi on entend? Et puis là. Donc c'est comme ça que nous capable prendre une image, nous couper, nous couler. L'autre façon que nous capable couper image pour sous timeline, par exemple sous timeline là directement nous aller là directement avec avec ciseau, nous mettez ça, nous mettez aiguille ça, c'est ça là directement côté besoin couper là, OK, besoin couper côté fermer j'aime là comme ça, OK, m'avancer côté j'ai à ouvrir. Et puis deux outils n'a plus utilisé dans partie ça, mais trois outils n'a plus utilisé dans partie ça, c'est selection tools avec razor tools, rasoir avec sélection. On a besoin de rasoir pour nous couper, sélection pour nous laine fin couper pour nous désélectionner. Par exemple si nous faisons ça comme ça, on après ça monte en l'autre champ, ouais, il monte en l'autre champ, donc faut nous aller nous cliquer sur ça pour nous désélectionner pour le capable normal. Comme ça tout pour capable jeune rasoir ou quand juste peser C sur clavier, on est cliquer C et puis la monter normalement, nous elle tout changer là tout. Et puis pour désélectionner ciseau ou peser V pour désélectionner ciseau, tout monter là directement. Et puis n'a besoin texte, n'a utilisé texte pour nous capable dans tous les outils ça pour nous capable travailler. Mais m'a monter nous qui j'ai pour nous capable utiliser pen tools dans vidéo qui bien avancé. Et puis qui sont capables d'utiliser Apple Edit Tools, chaque grain et ça outils ça, mais ça n'a plus utilisé c'est selection tools, c'est razor tools avec type tools, OK. Nous allez nous sélectionner ciseau, nous sélectionner ciseau pour nous capable de couper image là sur ça. Moi te dis nous que ma page au côté de fermer j'aime. Donc moi je avance le pied devant, je vais regarder directement, je vais le fermer, OK. Là, je vais quitter là. Avec petit flèche, je vais dire noir, nous cliquer, nous peser pour nous mettre sur nous directement. Et puis, nous aller avec ciseaux, si je l'ai là, nous sélectionner, nous cliquer sur lui là, ouais. Nous cliquer sur lui là. OK. Nous avancer ça, nous avons mis le temps de faire deux morceaux. OK, ouais. Il fait deux morceaux là, ça veut dire, nous allons aller côté que j'ai a fait une ferme et puis l'ouvrir, c'est j'ai un bas besoin, hein, même ça, OK, l'ouvrir là, OK, moi cliquer derrière encore, OK, cliquer derrière encore, on a désélectionné là, on désélectionné rasoir, et puis moi, c'est faire clic gauche en l'air. Et puis me sélectionner tous deux et puis me peser delete sous clavier là, peser delete sous clavier. OK, pour moi effacer partie que moi pas besoin. On a mis dans vide, nous fait clic droit en dedans, la mi-temps ça encore nous fait right ball delete pour nous capable coller deux morceaux. Donc pour moi ça pas monter brutal tout. OK, pour pas monter brutal baba, nous gain doit aller nous ajouter même effet, nous mettre effet vidéo transition. Vidéo transition et puis cause dissolve, OK, nous mettez cause dissolve dans le temps pour ne pas monter brutal encore. Dernier bagaille nous va apprendre là, c'est qui j'en pour nous ajouter un texte, OK, qui j'en capable ajouter texte dans vidéo nous. OK, pour nous capable ajouter, pour nous capable ajouter texte sous vidéo noire, n'a pas allé. Nous avons deux façons nous capable ajouter texte là sous vidéo noire. Première façon nous capable aller dans ça qui c'est texte, OK, c'est texte, nous cliquer sur texte, OK, et puis il ban nous
li ban nou sa, nap gade sou video anwel, gade sou video amen, li pa ban nou la ni la. Ok, se la la ban nou direktyman. Nou wè jan fèt? Ok, nou fè klik doa, klik goch nan ekran. Nou fè klik goch, e pi li bal ban nou kote pou nou ekri al tou ban nou. Li tou mette grafik pou nou kabab ekran. Nou ekri, ok, par exemple, nou ekri abone, partage, video. Ok, et puis nous fait sélection ça. Parce que nous fait texte, pour nous faire sélection pour nous retirer ça comme ça. Ok, nous retirer le. Et puis nous avancer le mettre le côté nous voulons. Par exemple, si c'est un ban à mettre, mais si c'est un mi-temps à quitter, nous quitter le mi-temps. Ok, côté n'a mettre là déplacer, nous cliquer sous lui, nous faire clic gauche et puis nous mouvli côté n'a mettre là. Nous capable redresser le tout. OK, nous capable redresser le tout. Donc nous va aller dans effet contrôle qui en l'air là. OK, ça c'est source contrôle là. Si c'est là nous mettre vidéo en bas là et puis monter en l'air là, nous cliquer effet contrôle, OK, effet contrôle et puis nous cliquer sur ça. Sous photo noir et puis texte noir et puis nous aller nous capable descendre dimension texte là nous changer style texte là tout ça dans partie ça qui écrit texte ouais texte abonner partager vidéo OK nous aller nous descendre et gros ce texte là ouais n'a descendre là la descendre dans écran vous comprenez. Nous descendons là et puis nous sommes capables de changer la couleur. Hein? Nous sommes capables de changer la couleur. Hein? Nous allons cliquer sur le casier là et puis nous changer la couleur. Hein? J'en oublie. Vous comprenez? Tant que nous changé là, nous avons changé dans l'écran. L'autre bois. Ouais? Nous choisissons la couleur que nous avons besoin hein? Pour nous capables de mettre le texte là. Ok? Et puis nous fait OK, nous fait OK, nous capable mettre un background d'elle tout en couleur qui vous fait des apparaître l'autre couleur tout ça. Nous cliquer dans background, OK, nous cliquer dans background et puis tout bon nous background et puis nous même nous aller nous mouvler là, nous changer façon de l'a opacité à tout ça nous voulons une bleu opacité à 100% avec couleur nous voulons à nous mettre à. Donc nous fait ça nous voulons avec texte là côté lié là et puis nous fait sélectionner et puis moins avancer moi descendre regardez comme tu mets directement à côté ça ok moi mettre directement à côté ça et puis mes textes noir. OK, abonnez partagez vidéo. Comme ça tout le monde besoin pas paraître sous vidéo a, besoin pas être sur fond noir, nous juste avancer le côté qui pas gagne rien dans écran. OK? Ouais, il paraît sous fond noir. C'est comme ça nous capable ajouter texte, c'est comme ça nous capable faire une premier partie, bon mettre un petit effet dans tête là. C'est comme ça nous capable commencer éditer vidéo nous bien facile sous Adobe Premiere. Oh, mes amis. Donc moi souhaite que vidéo ça utile non en pile, je souhaite que nous partager, nous abonner ensemble avec channel là pour vidéo arriver plus loin. Je dis me content ensemble avec nous pour capable montrer nous début dans montage vidéo sous Adobe Premiere Pro. Je souhaite que nous dans prochaine vidéo qu'a montrer nous en pile l'autre petit détail sous Adobe Premiere Pro, Photoshop, KineMaster, en pile application à venir sur channel ça. Moi merci mes chers qui t'a regardé, à la prochaine.